Qu'est-ce que tu regardes? Je viens de recevoir un courriel qui dit qu'il faut qu'on fasse une pub pour notre nouveau projet. Ah, j'aurais une idée pour ça. On pourrait aller chacun sur une planche de skate, puis on dirait quoi? OK. Puis on dit quoi? Je sais-tu, moi, on dit... ça. Imagine-toi donc qu'on vient de partir une entreprise. Une boutique en ligne. Ça s'appelle Comeback Skateboard. Lui! Parce que le skateboard, c'est la santé! On a décidé de partir de cette compagnie-là pour une raison très simple. Écoute, l'an passé, j'ai fait des tournages pour une émission de skate, puis j'ai vu plusieurs skaters partout dans le monde qui avaient mon âge ou qui étaient plus vieux ou un peu plus jeunes, mais tu sais, qui skataient à l'âge adulte. Et je trouve que la business du skate est surtout axée sur les jeunes, sur la performance et sur l'attitude. Puis quand tu recommences à faire du skate après plusieurs années, que tu sois un gars ou une fille, ça peut être intimidant de rembarquer dans ce milieu-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'en tant que femme, quand tu vas dans un skatepark, ben, en plus de te faire regarder, tu te sens constamment jugée. Fait que c'est pour ça qu'on a trouvé le nom Comeback, Comeback Skateboard, pour un retour à faire du skate, comme moi, je l'ai fait à 42 ans. Fait que je souhaite au plus grand nombre de gens possible de pouvoir faire un retour sur leur planche, puis de pas se sentir jugé par les autres. Si tu veux faire du skate, fais-en. Et on a décidé de partir à la fondation Pousse-toi, qui est un organisme sans but lucratif qui vise à aider les personnes en situation d'itinérance partout au Québec. Puis Comeback Skateboard s'engage à remettre 1$ par transaction à la fondation. Fait qu'en gros, Comeback Skateboard, c'est... démocratiser le skate, sortir de la norme, puis avoir ben du fun. Puis, ben, porter du beau linge. Allez faire un toast, not it. Merci. Merci. Tu crois que c'est l'eau pomme en béquet? C'est quoi le rapport? Ciao, ciao!